Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à l'approche de la saison 4. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a bientôt de nouvelles armes qui vont arriver, de nouvelles maps, en l'occurrence Hijack. Alors oui, ça fait beaucoup de remasters de Call of Duty Black Ops 2 sur Black Ops Cold War. Mais d'un côté, je préfère avoir un remaster d'une bonne map sans que rien n'ait été touché, que avoir une nouvelle map et que la map est horrible à jouer. Et d'ailleurs, les personnes qui suivent le compte Instagram ont pu voir en avant-première le petit leak que je vous avais balancé disant que Hijack allait sortir très prochainement. Donc si ce n'est pas le cas, bah n'oublie pas de follow Instagram, YouTube et Twitch, et n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu parce qu'aujourd'hui on va se retrouver pour le retour des Best Class Setup avec l'AK-74U. Et en plus de ça, on va se retrouver potentiellement pour une double nucléaire solo réalisée en live sur Twitch. Et tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher ce gros pouce bleu, à partager la vidéo, parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. On se retrouve donc pour l'AK-74U de Call of Duty Black Ops Cold War, qui était énormément l'arme méta, mais je vais devoir expliquer pas mal de choses. Au niveau de la Best Class Setup, on va se retrouver d'abord pour le silencieux grue, que vous pouvez éventuellement changer pour le silencieux sonore. Alors pourquoi je dis même que le silencieux sonore serait plus intéressant? Pour une seule raison. Pour ceux qui savent, il y a eu un dernier patch sur les mitraillettes et les mitraillettes sont devenues bien moins fortes qu'avant, surtout au niveau de la portée des dégâts. Et du coup, avec le silencieux grue, comme on perd assez de portée de dégâts, c'est quand même assez intéressant de jouer avec le silencieux sonore. De nouveau, vous faites ce que vous avez envie là-dessus. Au niveau du canon, évidemment, on va se retrouver avec le dernier canon. On va se retrouver avec l'avant-dernière poignée Spetsnaz, le dernier chargeur, et la dernière poignée arrière revêtement élastique, qui est très clairement la meilleure poignée du jeu. Et comme je vous ai dit en intro, on va se retrouver pour un très gros gameplay, et vous allez voir si oui ou non, j'ai réalisé la double nucléaire solo. Ok, bon, voyons voir qu'est-ce que ça donne avec la KU. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à la KU, hein, qui était énormément l'arme méta avant. Par contre, c'est incroyable comment je suis beaucoup plus lent. Putain, en parlant des snipers avant. Par contre, mon dieu, comment je recharge vite avec la KU, hein. Oh, elle est toujours aussi bien, la KU. Elle est grave cool. Grave, grave cool à jouer, la KU. Par contre, le rechargement, c'est incroyable. Oh, ça va vite, hein. Plus vite que ça, tu meurs, hein. Ok, de l'autre côté. Dommage. Rainbow Six. Ah non, j'avais pas répondu, désolé, c'est ma faute. Ouais, j'avais déjà vu ton message, j'ai oublié de répondre. Non, je suis pas trop fan de Rainbow Six pour plusieurs raisons. Quand je joue à un FPS, en fait, je suis là énormément pour taper du kill, enchaîné, etc. Le problème, c'est que Rainbow, bah voilà quoi, Rainbow Six, c'est de la SND quoi. Tu dois attendre, tu l'avertis, t'as pas ce côté rush et ultra agressif qu'un... Oh, tu te fous de ma gueule, là. Vraiment, il a explosé et je meurs. Ça, par contre, ouais. Ça, par contre, je trouve que c'est une connerie. Ils sont tous morts. Ok. Middle map. Et du coup, j'aime le kill et Rainbow Six, bon bah voilà, quoi, t'es limité, hein. T'es vraiment limité, hein. Frérot, hier, je sais pas si c'est toi qui m'avais déjà posé la question pour une classe, mais il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle les commandes. Ayez ce réflexe d'utiliser les commandes. Par contre, j'ai vraiment plus l'habitude, hein. Je jump shot plus, je... Alors peut-être que je retrouve un peu ces habitudes-là de re-jump shot à mort. J'ai vraiment plus l'habitude de jump shot. Ah, tu vois, juste pour ça. Tu viens d'où, mec? Mais comment ça tu... Oh putain. Je comprends totalement ton point de vue. Ouais, c'est pas mauvais Rainbow Six, hein, c'est très bien. Hein. Personnellement, j'aime bien regarder du Rainbow Six. Mais c'est absolument pas mon délire de jeu.
Après, de nouveau, comme je t'ai dit, c'est les goûts, les couleurs. Il y en a certains, ils préfèrent League of Legends. Moi, League of Legends, je peux pas, quoi. Je supporte pas ce jeu. C'est clairement à l'opposé de WoW, quoi. Le coup du... t'as des tourelles, tu vas revenir en arrière, tu vas faire ça. En fait, ça m'énerve. J'ai un côté... J'ai un côté vraiment très 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 bourrin. Par contre, il y a eu 5. 5 il fait un lac à eu. Hein. Ok, Bissat. Bon, ils sont un peu trop nombreux là. On va faire un peu le ménage. Ça dégage. Ok. On est en bonne série là. Dans le corner, l'allié. Putain, l'allié, tu fais... Non mais là, Nacho, tu fais vraiment aucun effort là. Je suis désolé, mais là, il y a aucun effort là. Là, il n'y a aucun effort. Le mec, il tire dessus, il n'en a rien à foutre. Il se retourne pas. Ok. On va éviter, hein. Ok. On va attendre, très gentiment. Ok, titre nucléaire et bombe nucléaire. Et bah voilà! Et bah let's go! Let's go! Évidemment, on continue, on ne lâche rien. Faut bien assumer le pseudo qu'on met en titre de stream Twitch, hein. King of the Nuke, c'est pas pour rien. Let's go. Un maximum de GG. Ah, là, on a eu titre nucléaire et bombe nucléaire. On a eu les deux, là. Vas-y, viens. Bah, franchement, la KU... sacrée bonne découverte. Des moves mais tellement étranges. Je contenterai pas la double par hasard. Je sais pas si on aurait le temps pour une double, si t'en pensais. Mais le strike s'il te plaît, non, pas maintenant. Hey, les frérots, il y a moyen de taper des doubles, hein. Si je mets maintenant la bombe nuque, les frérots, je meurs. Parce que oui, tout le monde meurt, hein, avec la bombe nuque de Cold War. Mes alliés meurent, je meurs. Potentiellement, on peut... Et bien, potentiellement, je viens. On peut taper la double. Hein. Si les alliés commencent à jouer un minimum l'objectif, il y a moyen.
Ok, je pense que ça spawn back. Je crois que je... Les alliés. Ok. On va essayer un peu de jouer l'objectif là, j'ai plus le choix. Hein. J'ai plus le choix là, si je vais faire essayer de taper la double. On est à combien? On est à 3 kills. Non! Merde, j'étais à 2 kills! Oh! Yippee-ki-yay, pauvre con. Bah, dommage. En dans le point. Oh, débile, putain. 92. Putain, j'étais à 2 kills de la double bombe.